Honneur, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Votre Majesté, je vais bien. Mais, s'il Oui, te Votre plaît, Majesté. donne à Honneur quelques colas. Oui, Votre Majesté. Comment va ta famille? Elle se porte bien. Merci. Votre Majesté, Mokondi, merci pour Namakasu. Ouais. Prends celle-ci et redonne-la à Honoru. Emporte-la à la maison. Oh, c'est très gentil. Matondi Ming. Et nous allons partager celle-ci. Et quelle est l'étude que l'on a gardée de tata? Là, la chambre, au gars de gants de la rique. Nous, 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 Votre Majesté. C'est le signe de la longévité, ce qui veut dire que nous allons vivre longtemps. Gloire à Dieu. Emporte-la lui. Merci, oh. Votre Majesté, avez-vous eu d'autres informations depuis la fois dernière concernant la santé du prince? Oui, Honoru. Le chirurgien anglais qui l'a opéré m'a appelé et m'a dit que la chirurgie a réussi. Oh, ça c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content de l'avoir appris. Alors, quand est-ce qu'il va rentrer? Ça, je ne peux pas te le dire maintenant. Jusqu'à ce que mon fils me parle lui-même. Ok, c'est pas grave. Bien, ouais. Votre Majesté, je suis très content. Monsieur, te salue, garde royal du royaume de Rose. Mes salutations, Naeji Kemé. Est-ce que le roi est là? Oui, il est dans sa chambre. Bien. Soyez le bienvenu. J'aimerais rencontrer Sa Majesté. Je lui ai apporté son vin habituel. Ok. Entre. Votre Majesté, le fournisseur du vin du Palme est là. Oh, qu'il entre. D'accord, Votre Majesté. Dis-moi, comment vont les choses dans le royaume? Bien, gloire à Dieu. Dieu nous garde très bien. Bien. Mes salutations, Votre Majesté. Ah, Edikeme, bienvenue. Le grand Diochi, sois le bienvenu. Oumé. Oui, Votre Majesté. Va dans ma chambre à coucher, ouvre le tiroir et apporte l'argent que j'ai déposé là-bas. D'accord, Votre Majesté. Ejikeme. Votre Majesté. S'il te plaît, assieds-toi et mets-toi à l'aise. Merci, Votre Majesté. En attendant Majesté. Que... Merci, Votre Majesté. Est-ce que tout va bien? Oui, Votre Majesté.
Affamé Funa. Rétablis-toi, fils. Ton absence dans cette maison commence à être insupportable pour moi. Qui est là? Votre Majesté, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Agadema? Votre téléphone sonne, Majesté. Apporte-le-moi. Allô, maman? Allô? Ah, femme, c'est bien toi? Oui, maman, comment va tout le monde? Ah, oui, ça va. Comment tu vas? Maintenant, tu arrives à marcher avec tes pieds? Pas vraiment. En tout cas, je t'appelle pour t'informer que je serai de retour ce week-end. Le docteur a dit que je serai libéré demain. Oh, bonne nouvelle. J'ai hâte de te voir, fils. J'avais vraiment envie de te voir. Ne t'inquiète pas, maman. Tu me verras. Maman, s'il te plaît, passe le message à papa. Je n'ai pas pu le joindre au téléphone. Bien sûr que je le ferai. Je t'aime beaucoup, fils. Et moi aussi, maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bye. Bye, maman. Bye bye. Ah, mon fils, tu me manques. Ah. Ogadi, remets cette photo pour moi, ok? Et ferme la porte. Votre Majesté, voilà l'argent. C'est combien? 5000 naira, Votre Majesté. S'il te plaît, donne-le à Edikem. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, mon argent devait être 2000 naira. Je sais, mais je te donne 5000 naira. Pour tes bidons, l'un des gardes te les apportera demain. Merci beaucoup, Votre Majesté. De rien. Je dois prendre congé de vous maintenant. Je vous salue aussi. Reze. Ta Majesté. Mon roi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle? Oui. Le prince vient juste de m'appeler pour me dire qu'il viendra à la maison ce week-end. Oh, le prince va revenir? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est réellement une bonne nouvelle. je serai très content de le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ogadi, tu es très joyeuse, pourquoi? Je suis contente. Le prince a passé ses derniers examens, ce qui veut dire qu'il sera de retour bientôt. C'est vrai? Oui. Madame, comment tu sais? J'étais avec la reine quand il a appelé. Oh, mon prince charmant. Il m'avait vraiment beaucoup manqué. Tu dois bien garder tes sentiments parce que le prince ne va même pas te regarder. As-tu entendu? Regardez celle qui parle. Tu n'es qu'une jalouse. Tu sais, tu le sais bien que le prince ne va même pas regarder ton visage. Une servante ordinaire du palais a le rêve sur le prince de ce royaume. N'est-ce pas que c'est drôle, les filles? Ma chère, c'est drôle, oh. Oh, et toi aussi? Je ne te blâme pas. Tu ne sais que prendre sa part. Mais Ego, tu sais que tu peux te créer toi-même de problèmes? J'étais en train de lui rappeler que le prince ne va même pas mettre son regard sur elle, c'est tout. Mais il n'y a rien de mal d'être amoureuse d'une personne, c'est normal. C'est vrai? Oui. Même si la personne ne s'intéresse même pas à toi. Mon ami, n'oubliez pas que nous sommes venus ici pour le travail. Oh. Arrêtez de nous distraire avec toutes ces choses. Pardon.
Mais, dépêche-toi, oh. Comme ça, on aura fini avant que ton père n'arrive. Je sais. Obioso, non, où vas-tu encore? Hein? Aide-nous à découper le bois, comme ça nous allons vite terminer à préparer. S'il te plaît, aide-nous un peu. Quel bois te chauffe? Maman, laisse-le demain, non? Tu vois, je me suis déjà habillé, je ne veux pas tâcher mes habits. Hé! Hey! Tâcher quels habits? Bah, tâcher quels habits, Obioso? Allez, va plutôt découper ce bois au lieu de nous distraire. Iroma, veux-tu que je te chiffre? Es-tu malade? Hein? Donc, tu veux me défier quoi? Obioso, tu as dit que tu le feras demain. Que je ramène ma cuisine pour demain. C'est ça? Donc toi aussi, tu vas ramener ton manger pour demain. Maman, je n'ai pas faim. Je ne veux pas manger. Et va me dire là-bas avec le bois, comme ça, je vais continuer à préparer. Je n'ai pas l'énergie pour fendre le bois de chauffe. Va me diviser le bois là-bas. Maman, j'ai dit que je n'ai pas faim. Hein? Comme tu vois, je suis en jeûne et prière. Ah. Obioso! Obioso! Maman, ne t'en fais pas, je veux le faire. Pourquoi les langues à moi, Noyo? Tout le temps, ce qu'on a fou foi, espèce de fou. Ma chérie, essaie de le faire si rapidement, s'il te plaît. Hein? Fais ça calmement, oh. S'il te plaît, ma fille. Hein? Fais ça calmement, ne te blesse pas, oh. Hein? Oh. Enfin à la maison! Hey. Oh, qu'est-ce que ça m'a montré? Oui, on est à la maison! Je vous salue, mes princesses. Salut, Izuna! Comment vas-tu? Je vais bien, ma princesse. Les valises! Oh, j'avais oublié. S'il te plaît, aide-moi à porter mes bagages. Trop bien, trop bien. Ok, merci. Maman, il faut qu'on aille voir. Alors, maman. La maison! On est là! Maman, là, nous maman. Sommes là! Papa! Papa, nous sommes à la maison. Papa, nous sommes là. Papa, tu m'as beaucoup manqué. Mes filles. Oui, papa. Comment vous allez? Nous allons bien, papa. Ça, papa, bien. Tu es très beau. Vous êtes élégante aussi. C'est merveilleux. Oui. Ah. Papa, devine quoi? Ma fille, tu sais que je ne suis pas du genre qui devine. Papa, juste un peu. Essaye. Papa, tu sais quoi? Elle a fini ses études. Ah, oui, c'est ce qu'elle voulait que tu devines. Ah, maintenant, on peut t'adresser en tant que avocate, Miss Orman. Oui. Ah, bravo! Je suis très contente de toi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Maman! Maman, tu es toute belle. Merci. Tu nous as beaucoup manqué, maman. Énormément. Maman. Tu m'as beaucoup manqué. Oui, maman. Tu m'as manqué. Moi aussi, tu m'as manqué. Tu m'avais manqué, maman. Maman, il y a de la nourriture. Oui, il y a la nourriture. Il y a de la nourriture. Mais j'ai manqué ta nourriture. Ta nourriture, j'en veux beaucoup. Ok, ok, vous allez manger. Ok, maman. Ok. Ouais, nous allons célébrer ça. Ouais, papa, faut qu'on célèbre ça. Ah, allez, célèbre ça, papa. Ça, c'est bien. Ça, c'est...
Dieu merci, je t'ai vu. Je voulais venir chez toi. Si tu étais venu chez moi, tu n'allais pas me voir. Mais c'est fini. Ne sais-tu pas que ma maman m'a chassé de la maison? Ah, et c'est fini d'abord. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé de la viande à la casserole. En fait, c'est le comportement de maman. Oh. Ah, mais c'est... Ah, ah, détends-toi, non. Ne suis-je pas ton ami? Regarde, avant que tu ne retournes dans la soirée, ta mère aura oublié qu'elle t'a chassé de la maison. N'est-ce pas une simple chasse? Hein? Ne suis-je plus ton ami? Viens, allons visiter Yvi. Ah, oh, je ne saurais pas partir. J'ai faim. Je n'ai pas mangé. D'ailleurs, j'ai pas cherché quelque chose à manger. Tu as faim. J'ai faim aussi. Hein? Tu te plains trop en Afrique que tu as faim. Bien. Nous allons brancher au carrefour du Mayotcha avant d'y aller. Sérieux? Oui, non. Aisé. Tu sais ce que je peux faire, non? Mon cher, allons-y. Allons-y, mec. Tu sais, non? Hey, Ify! Ma chérie! Wow! Ma belle fille! Tiens! Ma colombe! Hey! Regarde comment tu es belle! Oh. Ma chère, comment tu vas? Ça va. Je ne saurais pas rester ici avec toi. Mon mère est à la maison. Ta maman est toujours là, je sais. Hein? Tu vois, je ne suis pas venu pour perdre ton temps. Mm. Je suis là pour te donner l'argent que je t'ai promis. Hein? Oh. Ify, au moins tu vois que je tiens ma parole. Quand je te promets quelque chose, je le fais immédiatement. Je ne perds pas du temps, je ne fais pas des promesses démagogiques, hein? Merci beaucoup. Je t'aime. Tu m'as tué. Oh Dieu. Oh. Ma belle, hein? Je remonte le moral, non? Je suis un peu romantique. Je t'aime. Oh. Oh. Les amoureux, love one titi, je suis jaloux. C'est bon. Tu es la plus belle créature que Dieu a faite. Hein? Mon idole, quand viendras-tu me visiter? Je serai là le vendredi. Non, ah non, non. Vendredi est trop loin. Hein? Pourquoi pas ce soir ou demain? Je serai là demain. Hey, ma Ify, ma belle créature. Hey, mon idole, mon rayon solaire. Ah. Ify! Ifoma! Maman! Ifoma, mais tu n'entends pas quand... Ifoma, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi tu répondais pas quand je t'appelais? Si j'ai répondu, peut-être que vous n'avez pas écouté. C'est que tes oreilles sont bouchées alors. On y va à la rivière pour puiser de l'eau. Il ne reste plus assez d'eau dans la maison. Est-ce que tu peux te dépêcher? Ces récipients vides derrière la maison, ok? Oui, papa. Et apporte-moi à manger. Oui, papa.
ça, dépêche-toi, je vais leur prendre la nourriture, hein. Je suis morte. Je suis morte. Obioso. Obioso m'a encore tué. Obioso m'a encore tué. Obioso m'a encore pris l'argent dans cette maison. Hey, que vais-je faire avec cet enfant? Hein? Je veux faire comment avec ce garçon? Dites-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu... J'avais mis l'argent dans ma Bible dans la maison, dans ma chambre. Et c'est perdu. Je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec Obioso? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui dans cette maison? Hein? Néné, hey, je t'ai toujours demandé de verrouiller la porte et de mettre la clé au coin de ton panne, mais tu ne m'écoutes pas. Donc, je ne peux pas garder l'argent dans cette maison, dans ma propre maison, parce que j'ai un Obioso comme fils. Je ne peux pas avoir l'argent dans ma propre maison. Hein? Obioso est un criminel et un garçon inutile. Parfois même, je demande à Dieu, pourquoi m'as-tu donné un fils comme lui? Non, papa, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, ça reste ton fils. Et je crois qu'un jour, il finira par changer pour devenir un bon garçon. Hein? J'ai pris ainsi. Qu'il revienne encore ici. Il doit me remettre cet argent. Il doit le faire aujourd'hui. Il ne faut même pas enlever un air. Il doit le remettre aujourd'hui. Il doit me le donner en complet. Sinon, je vais le tuer ici aujourd'hui. Qu'il revienne ici. Qu'il revienne, il verra. Il va voir. Iroma, s'il te plaît, viens. Viens remettre ça à la maison. Papa, tu as à peine touché la nourriture. Je n'ai pas pu me concentrer car ta mère était ici en train de crier comme si... En fait, j'ai perdu l'appétit. S'il te plaît, prends, remets ça. Ah, salut, Naïe Dukeme. Sois le bienvenu. Bien, je vous ai apporté vos récipients. Merci beaucoup. Le roi m'a chargé de vous dire qu'il aura besoin de 2 bidons de vin demain. Je le ferai sans aucun doute. Je dois partir maintenant. Salut le roi de ma part. Je le ferai. Mon ami, tu es aussi là. Ma copine, ça va? Dis-moi, où est-ce que tu vas avec ton vélo? Mon père m'envoie vendre ses reins. Je venais pour te chercher pour qu'on aille chercher de l'eau ensemble, non, ma chérie? Tu sais, non? T'en fais pas la prochaine fois. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je pars alors. Très bien, prends bien soin de toi. Bye bye.
Mais pourquoi le prince est-il toujours sur une chaise roulante? Je pense qu'il était envoyé à l'étranger pour qu'il soit traité et rétabli complètement. Peut-être que les hommes blancs n'ont pas pu le traiter. Bienvenue à la maison, mon fils. Merci, papa. Comment était le voyage? Bien passé. Bien. Maman, merci. Oh, ma sœur chérie. Merci. Bienvenue, mon frère. Merci. Ouais, mes gens. Allons tous à l'intérieur pour célébrer la survie de mon fils. Allons-y. S'il vous plaît, comment je peux voir le roi? Oh, tu ne peux pas voir le roi maintenant. Il est au salon en train de célébrer la survie du prince avec les anciens. La survie du prince? Oui. Et quelque chose qui est arrivé au prince? Oh, désolé, ne faites pas attention. Alors comment je peux lui faire parvenir ces bouteilles de vin? Je pense qu'il en aura besoin pour la fête. Tu es la fille de Mazé du Kémé? Oui. Bon, attends-moi là. Je vais apporter la boisson auprès du roi. Ok, merci. Ça lui coûtera 5000 naira.
Voilà l'argent. $5,000, c'est complet. Ok, reviens demain pour reprendre les bidons. Telles sont les instructions du roi. Ok, j'espère qu'il n'est pas fâché comme j'ai apporté en retard le vin de palme. Non, non, je ne crois pas. Merci. Bon, moi je rentre. D'accord. Je suis tellement ravi de vous voir tous heureux. Je suis extrêmement content. Je vais profiter de cette occasion pour remercier chacun d'entre vous, principalement le roi et la reine, mes parents. Merci, 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 merci. Papa, maman, je suis tellement reconnaissant. Je sais que vous demanderez tous pourquoi je n'ai pas encore commencé à marcher sur mes pieds. Bien, le docteur a dit que je serai en mesure de marcher à nouveau quand la blessure de ma dernière opération sera cicatrisée définitivement. Mais, mon prince, est-ce que les 3 mois qu'ils vous ont donné, c'est pas loin? Ichie Ebuka, la chose la plus importante ici est que il y a de l'espoir. Que notre prince pourra marcher à nouveau. Bam! Ouais, ouais. Mes gens. Ouais. C'est pour nous maintenant le moment de porter un toast en action de grâce que notre fils affamé Funa, le prince de ce royaume, est revenu sain et sauf. Un toast pour souhaiter la bonne santé à nous tous. Et plus précisément, celui dont nous célébrons le retour aujourd'hui, dans l'espoir qu'il marchera encore majestueusement en tant que prince dans moins de 3 mois. Amen. Alors, amen. Amen, amen. Verse-moi du vin dans un verre et donne à tout le monde à boire. Peuple, mon bon peuple, s'il vous plaît, levons-nous tous. Et portez un toast à la bonne santé de tout le monde ici, et plus précisément à notre prince, dans l'espoir que dans moins de 3 mois, il marchera majestueusement, glorieusement, en tant que prince. Affamé Funa tout le monde. Allez, laisse-moi. Hein? Est-ce qu'on se querelle? Allons faire ça avant que mes parents ne reviennent. Je ne le fais pas. D'accord, je te donnerai le pain de ma mère à porter. J'ai dit que je ne le ferai pas. Ah, que veut dire ceci maintenant? Hein? Viens, allons faire non, mon bébé. Tu sais que je t'aime, non? Bébé, tu es ma colombe, le don parfait que Dieu m'a fait. Hein, tu sais que je t'aime, non? Donc je ne vais pas faire beaucoup, seulement un peu. Hein, bébé? Seulement un peu. Je te promets, je ne vais pas faire beaucoup, seulement un peu. Un peu.
Ma colombe. Ouais, allons-y. Auguste devrait aller doucement avec cette fille, non? Regarde comment elle crie. Hey! Bon après-midi. Bonjour, monsieur. Et en fait... Ezenaya, à cet temps on dit pas bonjour. À cet temps on dit bonsoir. Peu importe, que regardes-tu là-bas? En fait, j'essayais d'appeler Obi. C'était quoi ça? Non, c'est le film des Chinois. Jackie Chan et Jet Li. Un combat cinématographique. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Alors. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Hein? Obioso? Nay! Hey! Obioso! Hey! Obioso! Hey! Hey! Reste où que tu sois avec cette fille-là. Ne reviens plus jamais ici, oh, car cette maison ne nous contiendra pas. Hey! Hey! Nay, et ça, Nino? Hein? Nay, et ça, mais ça, Niyango? Cette fille est partie avec mon pagne! Hein? Avec mon nouveau pagne! Hey! Où est-ce qu'elle est partie avec mon pagne? Tu ne fais que parler de ton pagne. Hey. Entre à la maison et prends tous ces vêtements qu'elle a laissés là-bas. Où est-ce qu'elle est partie avec mon pagne? Hey! Mon pagne très goûteux, hein? Comment je vais récupérer mon pagne? Hey! Regardez cette fille. Où est-ce qu'elle est partie avec mon pagne? Hein? Où est-ce qu'elle est partie avec mon pagne? Hey! Qu'est-ce que je veux faire? Hein? Obi, Obi, comment je vais faire maintenant? Non, je peux pas rentrer comme ça, sinon ma mère risque de me tuer. T'inquiète, ta mère ne te tuera pas, hein? Ta mère ne te tuera pas. Hmm? Je te chercherai quelque chose à porter, d'accord? Ok. Eze. Hein? J'ai besoin de ton aide. De quoi s'agit-il? S'il te plaît, prête-moi tes habits pour que mon bébé porte pour aller à la maison. Quoi? Obio, t'es pas sérieux là? Si je lui donnais mes vêtements, qu'est-ce que je vais porter alors? Et c'est pourquoi tu sonnes ainsi? Hein? Ne suis-je pas ton ami? C'est moi Obiozo. Donne-moi tes habits pour donner à mon bébé. Pourquoi tu fais comme ça? Mais je sais non, mais qu'est-ce que je vais porter? Ah, donne-moi ton habit pour que mon bébé porte. Ah, ah, doucement, non, c'est à moi. Enlève-le, je sais que c'est ton habit. Ah. Enlève-le, non. Ah, vas-y, doucement, non. Regarde, je l'ai fait juste pour toi. Oh. Enlève-le, non. Hein? Donne-moi l'habit, tu fais n'importe quoi.
Donne-moi l'habit, tu fais le gars. Bébé, prends et porte. Ça va maintenant. Ije, merci beaucoup. Mais tu dois bien prendre soin de ça. Oh. C'est mon habit préféré. Oh. T'inquiète, je vais te les ramener. Comment tu me trouves? Tu peux faire avec. C'est trop marrant. Ne le regarde pas, hein. Ne le regarde pas. Je te verrai après. Hein? Ok. Ça va. Hein? Ok. Obi, comment j'aurai mes habits qui sont restés chez vous à la maison? T'inquiète, tu les auras, ok? Je te les apporterai demain. Ok. Gare, méfie-toi. Mais comment vas-tu résoudre ces problèmes? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y a du feu sur la montagne. Je ne sais comment faire. Aïe! Naï, ta nourriture est prête, je peux te l'apporter? Ne t'en fais pas, je n'ai pas faim. Pourquoi ne veux-tu pas manger? Mange mon amour. Est-ce c'est à cause de Obiozo que tu ne peux plus manger? J'ai dit que je n'ai pas faim. Ah! Oh! Ah, papa! Bon après-midi, papa. Bon après-midi, maman. Merci, ma fille. T'es la bienvenue. Merci. Papa, que fais-tu avec une machette? Est-ce que tu vas à la ferme? Non. Cette machette est pour ton frère insensé. Il a eu les yeux plus gros que le ventre dans cette maison. Mais je vais lui montrer qu'il a plein de combos. Ne reconnaît souvent pas la personne qui l'a planté. Est-ce que le roi a demandé pourquoi je ne suis pas venu de moi-même? J'ai pas pu le voir, papa. C'est l'un des gardes qui nous a servi d'intermédiaire. Voilà, l'argent est là. Je veux y retourner demain pour récupérer nos bouteilles. Bon, maman, qu'est-ce que Obiozo a fait? Mais, ton père et moi venons de rentrer il y a quelques minutes à la maison. Et on a trouvé Obiozo en train de coucher avec une fille dans la maison. Eh oui. Ce qui m'énerve encore est que cette fille est partie avec mon pagne. Papa, je te dis. Papa, s'il te plaît, viens. Viens ici. Papa, pardon. Papa, s'il te plaît. Papa, maman, je suis désolé. Je sais que ce que j'ai fait était mauvais. Et je promets que je ne vais plus vous offenser dans cette maison, toi et maman. S'il te plaît, pardonnez-moi. Je sais que je suis un enfant prodigue. S'il te plaît, papa, je promets que je ne vais plus amener aucune fille dans cette maison. Alors, à propos de mon argent volé. Hé, maman, ça c'était avant. Je ne vais plus te voler. Tu ne vas plus voler. C'est ce que tu as toujours dit. Quand tu voles, tu dis la même phrase. Toi, Osa Ndogio. Iroma, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, papa. Obiozo. Papa. Obiozo. Papa. Tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Hé, papa, je suis sûr. Papa, je jure Dieu, je changerai. Je ne le ferai plus. Non. S'il te plaît, calme-toi. Oh, je t'en prie. C'est comme si il est sérieux. Papa. Calme-toi, non? Accordons-lui une autre chance. Papa, s'il te plaît, je t'en prie. Je crois qu'il a changé. Entre à la maison. Va dans la maison. D'accord. Tala Emusenzi. Nene, s'il te plaît, garde la machette. Oh. Apporte-moi à manger maintenant. J'emmène ça. Oh, attends, moi j'arrive. Hein? Eh, mon Dieu.
Ok, nous sommes prêts pour partir. D'accord, mon prince. Oh. Vous deux, je ne vais plus. Izuno, attends. Je ne sors pas avec ma voiture aujourd'hui. Je sors avec mon fauteuil roulant. Mais mon prince, le roi m'avait instruit de vous emmener en voiture, peu importe où vous voudrez aller. C'est la même chose. Il faut juste nous suivre au cas où Omega s'est fatigué, tu vas le remplacer, ok? D'accord, d'accord. À vos ordres, mon prince. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de ton fidèle et remplis son cœur du feu de ton amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Holy Virgin Mary, Mother of God, Holy Virgin Mary, Holy Virgin Mary, Mother of God, Holy Virgin Mary, Mother, pray for us. Holy Virgin Mary, Mother of God, Holy Virgin Mary, Mother, pray for us. Holy Virgin Mary, Mother of Christ, Holy Virgin Mary, Mother, pray for us. Bonjour, mon prince. Ma sœur, cette communauté est dans le trouble. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me demandes. On dirait que tu ne vois pas ce que moi j'ai vu. Oh, tu parles du prince? Qu'est-ce que tu as vu? N'est-ce pas que c'est évident que notre futur roi va rester un estropié pour toute sa... Ah! 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 Ouadé Njo. Tu aimes bien faire les commérages. Laisse-moi me comporter comme si je n'ai rien entendu de toi, s'il te plaît. Depuis quand la vérité est devenue un crime dans ce royaume? Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Tu sais qu'on est en chemin. Rentre vite avant que le pur ne t'arrive. Allez, laisse tomber. Oh.
Ah, c'est toi? Comment ça va? Je vais bien, merci. Je suis venue récupérer mes bidons. Oh, tes bidons? Oui. Va à l'intérieur, on va te les donner. Ok, merci. De rien. Bon après-midi, mon prince. Bonjour. Cherches-tu quelqu'un? Oui, je suis venue voir Sa Majesté. Tu veux voir mon père? Oui, mon prince. Ok, il est à l'intérieur. Merci, mon prince. Eh wow, il est si gentil et beau, ce prince. Mon Dieu, pitié, mon Dieu, guéris-le. Il ne mérite pas d'être sûr. Une chaise roulante. Je prendrai ces deux-ci. Oumé, donne-lui 2000 naira. Oui, votre majesté. Merci, votre majesté. De rien. Bonjour, votre majesté. Salut, jeune fille. En quoi puis-je t'aider? Je suis venue récupérer les bouteilles de vin de palme de mon père. Oh. Es-tu la fille de Mazie Djikeme? Oui, votre majesté. Merveilleux. Je ne savais pas que Mazie Djikeme a une si belle fille. Merci, votre majesté. Oumé, va lui apporter le bidon du vin de palme. Oui, votre majesté. Oh, comment va ton père? Il va bien, votre majesté. Il est allé au marché pour vendre ses vins de palme. Ton père est un bon récoltant de vin de palme. Et j'aime boire de son vin. Merci, votre majesté. Dis à ton père que j'aurai encore besoin de 2 bidons de vin de palme demain. Je lui dirai. Merci, votre majesté. C'est bien. Maintenant, je vous laisse. Au revoir. Mon prince. S'il te plaît, apporte-moi un verre de jus. Oui, mon prince. Désolé, mon prince. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et s'il te plaît, peux-tu m'aider à caler mes poneys? Bien sûr. S'il te plaît, attends. Viens.
J'aimerais te connaître mieux. Ok, mon prince. Mon nom est Iroma, la fille de Mazeji Kemoa. C'est l'homme qui approvisionne souvent en vin de palme sa majesté. Ça, c'est intéressant. Merci une fois de plus. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie, mon prince. Merci. S'il te plaît, si je te demande de venir m'assister fréquemment, l'accepterais-tu? Mais mon prince, vous avez des gardes et des servantes qui ont le devoir de vous assister. Ils sont tous négligents. Mon garde n'a pas calé les pneus de mon fauteuil roulant. Je pourrais me renverser sans ton aide. S'il te plaît, viens m'aider. Je crois que tu seras plus prudente qu'eux. Hey, mange calmement. Écoutez, maintenant je peux pas très bien. C'est terrible. As-tu préparé ça avec ta mère? Iroma, dis à ton père ce que tu m'avais dit lorsque tu t'es revenu du palais. Iroma, qu'as-tu dit à ta mère? Papa, je lui ai juste dit que le prince a dit qu'il veut que je l'assiste au palais. Quoi? En tant que sa servante ou quoi? Quelle importance? J'ai vu le prince aujourd'hui. Il était à deux doigts de cracher avec sa chaise roulante. J'ai vraiment eu très pitié de lui. Son état m'a vraiment touchée. Ma fille, je sais que tu as de la pitié pour le prince. Mais il a ses gardes pour l'aider. Papa, je sais. Mais je n'aimerais pas renoncer à l'opportunité d'aider le successeur au trône de notre royaume. Je t'en prie. Ok, si on te permet d'aller là-bas, comme tu l'as dit, comment tu vas t'en sortir avec ton travail ici? Maman Lobibo est poignée. Mais je suis une grande travailleuse. Je saurai m'organiser de telle sorte que mes activités au palais n'affectent pas mes travaux ménagers. Je vais m'en assurer. Oui. Ma fille, je peux voir que tu es vraiment déterminée. Dans ce cas, je te donne ma permission. Attendez. J'ai une question. Bien. Combien le prince va te payer? J'ai pas besoin de faire d'argent. Hein? Tu crois que tout est toujours une question d'argent? Espèce de Judas, Diego. Tu n'as pas besoin de son argent. C'est ça. Si tu n'as pas besoin de son argent, nous, que tu vois ici, nous avons besoin de son argent. Papa, n'est-ce pas? Ferme ta bouche et mange ton repas. Pourquoi aimes-tu l'argent? Pourquoi est-ce que tu aimes beaucoup l'argent? À tout moment, l'argent. Où est Samefina? Missoma. Oui, maman. Va dire à ton frère que le dîner est servi. Très bien, maman. Ouais, maman. Merci. Bonjour mon roi, bonjour ma reine, mes princesses, je vous salue. Salut. Papa, maman, voici ma nouvelle assistante personnelle. Elle m'a sauvé l'autre fois quand j'ai failli me renverser au mur, parce que d'Arizona a laissé les pneus de mon fauteuil roulant s'aller caler. Ça c'est merveilleux. Merci Iroma, tu as bien fait. Merci. Papa. Je vous en prie mon roi, je vous en prie ma reine. Papa, tu la connais? Ouais. C'est son père qui me fournit du vin de palme régulièrement. Oh, je vois. Bien de savoir. Vraiment? Donc ton père, c'est cet homme qui nous fournit du vin de palme? Oui, ma reine. Oh, je vois. Bien, je voulais vous la présenter, mais vous la connaissez déjà. Iroma, mon prince. Tu peux partir.
Je te ferai savoir quand j'ai besoin de toi, ok? Très bien, mon prince. Veuillez m'excuser. Missoma, serre ton frère. S'il te plaît. Waouh, elle est si belle. Et elle a l'air très responsable. Ok, 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 ok. Mes camarades admiratrices, pouvons-nous prendre notre repas avant qu'il ne se refroidisse? S'il vous plaît. Je suis en train de te servir, frérot. Juste un peu de riz, ok? Ok. Que j'ajoute? Oui, ça, ça va. Tu sais que j'aime la viande. Obi, je vais baratiner cette fille maintenant. Non, relax. Je m'en occupe. D'accord, bonne chance. Salut, excuse-moi. Comment puis-je t'aider? Juste une minute à parler avec toi. Je ne vais pas te faire perdre du temps. Pardon, je ne suis pas intéressée. Oh non, relax. Personne ne me laisse tomber quand je parle. Tu vois, j'ai tellement de choses à te raconter. Des choses merveilleuses. Tu vois, juste écoute-moi. Ok? Et tu veux forcer? J'ai dit que je ne veux pas t'écouter. Que veux-tu dire par là? Rentre ici, c'est pas force. Tu dois m'écouter. Oh mon Dieu, cette fille vient de détruire ma vie. Oh bien. Mais qu'est-ce qui te fait rire, non? Tu m'énerves avec tes rires, je n'apprécie pas ça. Oh. Je me souviens de ton visage quand la fille a versé l'eau sur ta tête. Cette fille a détruit ma vie. Oh. Mec, je n'aime pas ça. Oh. Jésus! Désolé. Désolé.
Tu sais comment était ton visage, hein? Ton visage était comme... Oh, on a sort cet idiot du village qui restait dans le marché de quai. Non, c'est toi qui as ce visage-là. Regarde comment est ton visage. Oh. Ifi, tu inquiètes. Tu vas bien? Non, ça ne va pas. Qui t'a offensé? Dis-moi, quel est le problème? Je ne vois plus mes règles depuis les jours où on était ensemble. Comment? À qui as-tu donné ta période? Dis-moi que tu plaisantes. Comment je peux blaguer avec ce genre de choses? Je devais avoir mes règles depuis le mois passé, mais je ne vois rien. Maintenant, je ne comprends pas. Je suis un peu troublée. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne comprends rien. Arrête de pleurer. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Hein? Arrête de pleurer. Je ferai quelque chose. Hein? Arrête. Hein? D'accord? Je dis que je trouverai une solution. Arrête de pleurer. Hmm? Maintenant, vas-y. Tu ne m'embrasses pas? Désolé, hein? Obi. Obi, tu as l'air inquiet. Est-ce que ça va? Il y a du feu sur la montagne. Feu sur la montagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé vient de me dire qu'elle a raté sa période. Hein? Hey! Ça, c'est un grand problème, oh. Et donc, que vas-tu faire maintenant? Aisé, je suis aussi confus comme toi. Je ne sais vraiment quoi faire. Fils. Maman. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher sans ces chaises roulantes depuis que tu es revenu? Oui, maman. Chaque fois que j'essaie de bouger ma hanche et mes pieds, je ne sens rien. Je ne sens rien. Votre Majesté, mon prince, excusez-moi d'interrompre comme ça votre discussion. Mon prince, je suis venu vous remettre cet argent. Je l'ai retrouvé sous le lit quand je passais la serpillière. C'est très intentionné de ta part. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon prince. Je suis à l'intérieur. Votre Majesté. Ce ne sont pas seulement tes gardes qui sont négligents. Et qui me font à toi aussi, tu es négligent. Ça, c'est vrai. C'est une bonne fille. Sinon, tu n'allais plus retrouver cet argent. Tu as raison, maman. Tu as raison. Je serai plus prudent la prochaine fois. Hé, hey, notre madame, je crois que tu t'adaptes vraiment. Hein? Je crois vraiment que tu te fais pour une innocente, pour que le prince t'admire, n'est-ce pas ça? C'est ça, non? Rassure-toi de ne pas venir ici pour nous embêter, entendu? Pour que toi, tu remportes tout. Désolée, hey, de quoi est-ce que tu parles? Excuse-moi. Tu me demandes de quoi est-ce que je parle? Bientôt, tu le sauras.
Il n'y a pas de quoi. Alors que puis-je t'offrir d'autres? T'en fais pas. Hein? Ça va. J'ai appris que tu es maintenant l'assistante personnelle du prince Afam. Hey, comment les nouvelles vont vite? C'est vrai, oh. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'assiste. Mais dis-moi, comment le travail en question? C'est stressant? Non, ce n'est pas du tout stressant. À vrai dire, c'est plutôt marrant. Mais est-ce que tu imagines le plaisir, l'honneur d'être dans la cour royale auprès du prince? Et allez, pas nous bader. Hello, mon bébé. C'est bien moi. Je suis contente pour toi. Oh. Je suis contente pour moi. Hello, mon bébé. Je suis contente pour toi. Mais Chika, qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis déjà à la fin. Ça fait plusieurs heures que tu étais déjà à la fin. Désolée. Il faut couvrir cette partie. Désolée, ma princesse. Je vous salue, ma princesse. Oh, je te salue aussi. S'il te plaît. Est-ce que tu fais quelque chose pour mon frère? Pas exactement, ma princesse. S'il te plaît, je t'en prie. Viens aider Ujuka, termine-moi cette coiffure. Hein? Ça fait déjà un très long moment qu'elle est en train de me coiffer. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Ujuka, laisse mes cheveux. Ça va aller, ma princesse. Ujuka, laisse-moi terminer. Merci beaucoup. Hein? Merci. Je voulais juste... oui. Merci beaucoup. Ma princesse, m'as-tu oui? Appelé? Oui. Je t'ai vu arranger les cheveux de ma sœur. Tu peux aussi arranger le mien. Mais je n'ai pas pu le faire. Qui le fait alors? Iroma. Iroma. Ok, appelle alors pour moi. Ok, ma princesse. Ma princesse? Ah, comment vas-tu? Bien, vous m'avez appelé. Oui, Iroma. J'ai vu comment tu as rangé les cheveux de ma sœur. Ah, je veux aussi que tu m'arranges. Et aussi, j'aimerais être la plus belle entre nous deux. Il en sera comme vous le désirez. Merci. Oh, attendez que j'aille chercher un peigne pour bien vous coiffer. Ok, d'accord, merci. Salut les filles, mon salaire est de 30 000 naira. Pour moi, c'est 20 000 naira. Pour moi aussi, c'est 20 000 naira. Mais c'est quoi ça, Ogade? Pourquoi est-ce que ton salaire est plus que les nôtres? Eh, Béré, apparemment, tu oublies que Ogadima est la chef-d'œuvre de toutes les servantes du palais. Ego, merci de le lui rappeler. Eh, Béré, contente-toi de ce que tu as. S'il te plaît, madame la conseillère, occupe-toi de tes affaires. Et toi, où est ton salaire? Où on t'a pas payé? Iroma, le prince t'appelle, il est en haut. Ah, ok, merci. Hé, hey, Djuka, combien est-ce qu'on t'a payé? Pour moi, c'est 20 000 naira. Que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Mais le docteur a dit que je serai en mesure de marcher à nouveau 3 mois après mon opération. Les 3 mois sont déjà passés.
Voici le cinquième mois. Et je suis toujours dans ce fauteuil roulant. Dieu! Dieu dans les cieux, s'il te plaît, viens m'aider. Viens à mon aide, Dieu. Je ne veux pas passer le reste de ma vie dans ce fauteuil roulant. S'il te plaît, Dieu. Amen à votre prière, mon prince. Et Rome. Votre Altesse. Est-ce que tu m'écoutais depuis? Non, mon prince. J'ai juste entendu les derniers mots prononcés. S'il te plaît, prends ça. C'est ton salaire. Merci, mon prince. Je t'en prie. En sortant, s'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Pour mon salaire. Regarde l'argent. Hey! Mon mari, c'est vrai ou? Assume mon recours? Hey! Mais les mois qui sont passés, il t'a toujours payé 30 000, n'est-ce pas? Papa, je ne sais pas où. Il a juste décidé de le monter à 50 000. Ah! Hey! Quel bon prince! Prince soit monté, maman Lampenza ou? Hein? Hey! Que Dieu le bénisse pour moi. Hey! Mais maman, j'ai pitié de sa condition. J'ai pitié de son état dans cette chaise roulante. Mais, on a aussi pitié de lui. Mais qu'allons-nous faire maintenant? On va seulement prier à Dieu qu'il le guérisse un jour. Amen. Entre, il va manger ta nourriture là-bas. Dépêche-toi. Ok, maman. Bienvenue. Mon argent. Notre argent. Bienvenue. Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Notre argent. Je sais que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que je t'ai réveillée à cette heure de la nuit. Ton incapacité de marcher me donne vraiment des insomnies. Les chirurgiens qui t'a opéré, il a bien dit que tu seras en mesure de marcher après 3 mois. Les 3 mois se sont déjà écroulés, mais rien ne change. Nous sommes déjà au 5e mois, rien ne s'est fait. Alors moi et ton père avions parlé de ça et nous avons conclu que tu dois te marier. Ah. Maman, je ne peux pas me marier dans cette condition. Pourquoi? Bien sûr que tu peux te marier. Aussi longtemps que ton état ne t'enlève pas ta masculinité. Écoute, fils. Il arrive toujours un temps dans la vie de chaque homme pour
prendre des décisions. Et ce temps est arrivé pour toi. Maman, as-tu oublié que mon ex-petite amie m'a quitté à cause de cette même condition? Je veux dire, oh maman. Bien sûr que c'était ton ex. Ah femme, il y a tellement de belles filles ici qui vont t'accepter, non pas parce que tu es un prince, juste pour le genre de personne que tu es. Ok, prenons l'exemple de Hiroma. Elle t'assiste, elle est vraiment tolérante de tout son cœur sans pour autant faire une quelconque doléance. C'est ce genre de filles qui peuvent accepter ta proposition si seulement tu fais un pas. Pense à ça. Bonjour, Votre Majesté. Oh, Hiroma, toujours dans son poste. Tu ne t'es jamais reposé. Ces fruits sont pour le prince? Oui, Votre Majesté. Allez-y. Merci, Votre Majesté. Mon prince, voici les fruits. Oh, merci beaucoup. Voulez-vous que je fasse quelque chose d'autre pour vous, mon prince? Oh oui. S'il te plaît, je veux qu'on parle. Assieds-toi. Ok. Hiroma, je veux qu'on parle de nous. L'attention et l'amour que tu m'as montré durant cette période que tu m'aides, tu as été une très bonne amie pour moi. Tu as été si merveilleuse. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'avoir définitivement à mes côtés. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par ma voix définitivement à tes côtés. Ce que je veux dire est, je veux faire de toi ma femme. Hiroma, s'il te plaît, épouse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Que fais-tu ici? Je croyais que tu étais déjà au palais. Non, maman, aujourd'hui, je n'irai nulle part. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Oui, maman. Le prince m'a demandé quelque chose hier et je suis encore en train d'y réfléchir. Mais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Maman. Hein? Le prince m'a demandé de l'épouser. Hey! Hello.
Non, j'étais trop timide sur le moment pour lui répondre, alors je me suis enfouie. Hey! Moi, Nangaï! Tu devais dire oui au prince. Il est le prince. Ou, dis-moi, tu ne l'apprécies pas? Oui, je l'apprécie. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Oh. Je me suis sentie perdue quand il m'a demandé. Hey! Nemo! Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je comprends. J'ai compris. Et alors ton père, est-il au courant? Non, il ne l'est pas. Il doit être au courant. Hein? Tu vas le lui dire lorsqu'il sera de retour. Hein? Tu dois le lui dire. Oh? Donc, le prince est amoureux de ma fille. Hey, mon Dieu! Hey! Hey! Fils, nous t'avons appelé ici pour savoir la réponse à ta proposition faite à Hiromo. Honnêtement, papa, le résultat ne correspond pas à ce que j'attendais. Qu'est-ce que cela veut dire? Je lui ai demandé de m'épouser. Elle m'a fait attendre. Avec son regard indifférent, la prochaine chose qu'elle a faite, c'est de se lever et me quitter. Oh fils, tu as tout dit? Avec ta nature et ton attitude glorieuse en tant que prince héritier, à quoi t'attendais-tu? Tu l'as rendue nerveuse. Alors elle n'a pu dire mot. Mais papa, elle est avec moi depuis des mois. Oui, mais elle ne s'attendait pas à une proposition de mariage venant de toi. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis hier quand elle est partie. Tu veux dire, elle ne vient pas au travail? Ça, c'est sérieux. T'inquiète. Demain, j'enverrai appeler son père et je discuterai avec lui. D'accord. Merci, papa. Hiromo, elle était nerveuse. Je vous salue, Majesté. Ah, Edikeme. Mes salutations, non, non. Mes salutations, mon prince. Edikeme, comment vous allez, toi et ta famille? Nous sommes bien portants, Majesté. Ça, c'est bien. J'ai envoyé t'appeler parce que nous aimerions t'informer au sujet des intentions de notre fils envers ta fille, Hiromo. Ça concerne la proposition de mariage? Oui. Le prince aime beaucoup votre fille. S'il vous plaît, aidez-nous à parler avec elle. Il n'y a rien à parler, ma reine. Ma fille Hiromo aime le prince et accepte de l'épouser. C'est juste que l'immense joie qu'elle avait ce jour-là ne lui avait pas permis de donner une quelconque réponse au prince. Je savais qu'elle devait accepter. Bien sûr que ça, elle n'a pas de choix, voilà. Personne ne peut refuser de mettre une nourriture délicieuse dans sa bouche. Fils. Papa. Tu l'as entendu. Donc, nous devons commencer les préparatifs pour le paiement de la dot de Hiromo. Mazedikeme, comme notre tradition le demande, quelques membres de mon cabinet accompagneront mon fils dans un mois dans ta maison pour payer la dot de ta fille, Hiromo. Bien, votre majesté. On va attendre. S'il vous plaît, Hiromo devrait reprendre le travail immédiatement. Elle m'a manqué beaucoup. Elle reprend demain sans aucun doute. Bien. Oui. Tu es maintenant content. Merci, papa. Mon ami, partons, non? Somme? J'ai un truc à te dire. Allez, viens. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Allez, viens. Je vais te demander un truc. Assieds-toi. Il faut que je te demande quelque chose. Quoi, non? Assieds-toi, non? Ok, comme tu veux. Viens, oh. Je m'assieds. Alors, dis-moi.
quelle serait ta réaction si le prince Afam te demandait en mariage? Hé! Hey, si une telle chose arrive, cela veut dire que Dieu s'est souvenu de moi. Parce que je dirais oui, sans pour autant faire passer le temps. pourquoi tu ris? Oh, tu me caches quelque chose, hein? Ok, très bien, je vais te dire. Le prince a demandé ma main. Ne crie pas. Vraiment? Né, je suis très contente pour toi. Oh. Je te souhaite le meilleur. Donc, je suis ici avec la future reine du royaume des Oumuezé. Tu n'es que mon... une reine. Mon ami. Je suis très contente pour toi. Arrête de crier. Écoute. Je n'en ai pas encore parlé aux gens. Alors, ne crie pas. Arrête de crier. Reine. Ah mais Babouche, je les ai laissés là-bas. Attends, laisse-moi les prendre pour toi, tu es devenue une reine, oh. Notre reine, laisse-moi prendre ça pour toi, je vais porter pour toi. J'ai convoqué cette réunion pour tous vous faire savoir, et surtout toi, Iroma, ce que nous nous sommes convenus au palais aujourd'hui. Et donc, dans un mois, le roi et ses gens viendront pour payer ta dot. Hein? Alors après toi. Hein? Hey! Nine! Hey! Tinekena! Hein? C'est vrai? Hey! Dieu a fait de merveilleux! Mon Dieu est bon, oh! Il a fait de grandes choses, oh! Mon Dieu! Il est bon! Tout il est merveilleux! Hey! Ma jolie fille, oh! Écoutez! Hey! Mon mari! Vas-y, répète encore! Autre chose! Tu reprends le travail au palais demain! Le prince a dit que tu lui manques. Hey! Mon Dieu! Et je sais qu'il te manque aussi. Mon fils, hein? As-tu entendu? Je sais tout, oui. Écoutez ce que j'entends. Ma fille a manqué le prince. Ma fille a trouvé un homme là-bas au et palais. Moi, je serai le beau du prince. Moi, je suis le beau du prince. Eh, ma fille! Viens d'abord ici, approche d'abord, ma fille. Hey! Ma fille chérie! Je suis vraiment choquée. Nain, donc, très bientôt, hein, ma fille va devenir la future reine du royaume d'Ouézé. Oui, c'est exactement ça. Hey, Jéhovah, tu es bon. Tu es tellement bon. Ha! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon fils, maman, as-tu entendu ça? Iru. Zambéa malamou mingyo. Iru. Tu as vu maintenant que mon rêve pour toi va bientôt se réaliser. Zambé nangai. Tu n'es qu'un na. Hey. Vraiment. Hey. Iroma, ce jour-là, hein, c'est moi qui vais ramasser l'argent pour toi. Encore yo. Je ne veux pas que tu te fasses mon argent. Arrête là. Papa, le jour-là, hein, tu feras coudre Agbada pour moi. Celui de type 1500. J'ajusterai l'autre côté, tout sera ya. Oh bien. Oh bien. Regardez celui-ci. Mon fils, mets-toi. Nai, écoute. Oh. Est-ce que ceci est réel ou bien c'est vraiment un rêve? C'est réel? Hey, dites-moi un peu. Dois-je voler ou bien je dois sauter? J'ai mon épée, hein? Est-ce que je dois voler ou bien je dois sauter? Eh hey, mon Dieu, ma jolie fille de cœur! Hey! Seigneur, tu es merveilleux! Je te dis, tu es tellement merveilleux! Seigneur, que pourrais-je te donner? Tu es merveilleux, ma fille! Je suis très contente, moi! Je suis contente! Moi, je suis contente! Ah, Iroma, tu n'as pas mangé de la nourriture! Y a-t-il un problème? Non, maman, je n'ai pas envie de manger. C'est quoi ça? Tu ne veux pas manger? Ma fille, j'espère que tu vas bien. Oh, maman, comme tu peux le voir, je vais bien, j'ai juste pas envie de manger. On se voit ce soir, hein? D'accord, ma fille. Bonne allée, hein? Les effets vite, non? Hein?
Regarde, l'argent, allons-y. 5, 6, 7, 8, 9. Non, 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 non. Oh, mec, de l'argent. Oh, mais nous sommes riches. Nous sommes riches. 7 000. Obi, Obi, nous sommes riches. Regarde l'argent. De l'argent facile. Argent facile. Regarde, hein. Allons à ce restaurant. Elle m'a beaucoup manqué avec sa soupe. Oui, c'est vrai, mais j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ton aide. De quoi s'agit-il? Tu sais que Ify est enceinte pour moi. S'il te plaît, je veux utiliser cet argent pour résoudre son problème avant que sa mère ne le découvre. Hein? S'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne me dis tout de même pas que tu veux qu'elle avorte cette grossesse. Avorter est la seule option que j'ai pour le moment. Toi et moi savons que je ne suis pas encore prêt pour me marier. Hein? Oui, je sais, mais l'avortement c'est trop risqué. Et c'est ce que j'essaie de dire. J'ai pris ma décision. S'il te plaît. Hein? Si tu dis ainsi, si tu le dis. Merci beaucoup. Iroma, je n'ai jamais su que tu es une personne timide. Et tu vois ce que je dis? Tu vois ça? Et c'est ainsi que tu vas te comporter le jour de notre mariage? Non, mon prince, je serai déjà habitué avant qu'on y arrive. Ah, ça va? Ça va? Oui, je vais bien. As-tu mangé? Oh, fais-moi retourner, fais-moi retourner. Fais-moi rentrer, va manger. Va manger maintenant, ok? Mon prince, je n'ai pas besoin de manger. À vrai dire, je suis à mon deuxième jour de jeûne à sec. Jeûne sec? Oui. Pourquoi jeûnes-tu? Ne vous en faites pas, mon prince. C'est personnel. D'accord. D'accord, si tu le dis ainsi. J'aurai aussi besoin de votre permission. Ma permission, pour faire quoi? Je dois me rendre à la montagne dans le cadre de mon temps de jeûne et prière. Iroma, je n'ai jamais su que tu es une évangéliste. Ah non, mon prince, je ne suis pas une évangéliste. C'est juste que prier est un hobby. Oh, je vois. Ça va, tu as ma permission. Merci, mon prince. Bien, s'il te plaît. Fais-moi monter afin d'aller me chercher mon téléphone. Je l'ai laissé sur la table dans ma chambre, ok? Ça va, non, hein? Arrête de pleurer, ça va, hein? Arrête. Obi. Je peux pas faire ça. J'ai peur. Je ne saurais pas. Ça va, hein? Ça va. Arrête de pleurer. Hein? Je suis désolée. Arrête de pleurer, d'accord? Arrête, hein? Écoute, tu n'es plus enfant. Arrête de pleurer. Tu as peur de quoi? Hein? Tu ne dois pas avoir peur. Tu sais que je t'aime. Ok, ça va. Si cet argent n'est pas assez, dis-le-moi, je vais encore te donner. Hein? Ma chérie, je suis désolée. Arrête, non. Ok, ça va, ça va. Hein? Dis-moi que tu m'aimes. S'il te plaît. Hein? Ah.
Maman, 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 maman. Ambiance, oh. Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Iroma en venant. Elle m'a dit qu'elle allait à la montagne pour prier. Et hey, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça, Obio? Tu m'as beaucoup fait peur. Qu'est-ce que c'est ça? Papa, donc elle m'allait rester là-bas pendant 40 jours, 40 nuits. Je n'ai prié comme Jésus. Jésus l'a fait dans le désert. Qu'est-ce que ça fait? N'as-tu jamais fait ça dans ta vie? Hein? N'as-tu jamais fait ça dans ta vie? Sais-tu comment prier, Obio? N'importe quoi. Papa, je sais comment prier. Je suis un guerrier de prière. Si je prie pour toi, tu vas te repentir. Mais 40 jours, c'est la vie et la mort. Obioso, à part manger et voler, il n'y a rien du tout que tu sais faire. Hé, mon ami, quitte ici. Papa, je sais ce que je dis. Oh. Donc c'est pour ça que tu nous as appelés. Je croyais qu'on était en train de te poursuivre. Maman, arrête-toi, quitte ici. Maman, je sais ce que je dis. Oh. Ceci, c'est une question de vie et de mort. Vous savez que sa dot n'est pas encore payée. Moi, je l'ai dit. Oh. Si quelque chose lui arrive, ça ne me concerne pas. Oh yeah! Sam-o, 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 ça fait un bail. Ouais. Oh, crois-moi, pour de vrai. Oh, je t'appellerai après, ok? Le roi est là. Bonjour, papa. Bonjour, fils. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, papa. Je crois que tu vas bien aussi. Ah ouais, Roman, je ne l'ai pas encore vue. Elle ne viendra pas à l'heure aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ira en montagne pour prier. Montagne? D'accord. Je serai dans ma chambre. D'accord, papa. Prends soin. Zam 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 chineke na zamo Oye kere ni gwenu wa zamo Omu wajuru nuzo na ndu zamo Oburu ni zaimo nye ga zamo chuku Zam 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 chineke na zamo Oye kere ni gwenu wa zamo Omu wajuru nuzo mchuku zamo Aburu ni zaimo nye gaza mo chimo Zam 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 chineke na zamo Oye kere ni gwena la zamo Omu wajuru nuzo mchuku zamo Aburu ni zaimo nye gaza mo chimo Jesus, Jesus, Jukwa Nurumuni na tabuo, Anurumuni na wanku sirike o, Webya nobule zioku idima o, idima, idima o, Onye na gwaria o, idima o, Onye wemni idima o, Jesus, Jukwa Nurumuni nememma o, Anurumuni nememma o, Anurumuni na gwaria o, Ah, ma père, Dieu de mes chaque Shadrach et Abednego, le Dieu qui est, qui était et qui vient, toi qui rends l'impossible possible, mon Dieu, viens prouver que tu es le Dieu vivant. Viens prouver que tu es le Dieu tout-puissant. Viens guérir mon prince. Père,
tu as déclaré que tout ce qui sera demandé en ton Saint-Nom nous sera accordé. Père, je viens te demander d'exaucer ma prière. Viens guérir mon prince. Viens accomplir un miracle. Viens prouver que tu es un Dieu vivant. Viens prouver que je prie un Dieu vivant. Ah ben Père, roi de gloire, viens guérir mon prince. Viens guérir le prince. Viens guérir le prince. Jésus! Sois prudente, calcule bien ton prochain coup. Exact. Écoute, utilise bien tes cartes. Abba Père, tu as dit que tu honores ta parole plus que ton nom. Abba Père, viens éprouve au monde entier, dans tout ce royaume entier, que tu es le Dieu tout-puissant, que je sers un Dieu qui est vivant, que je loue un Dieu qui est vivant. Viens prouver que l'ennemi a tort. Jésus, viens voir que le feu dévorant. Dieu de puissant, exauce ma prière. Mon Dieu, exauce-moi. Oh mon Dieu. Maman, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu le son du tonnerre. On était là-bas dehors. Tout à coup, on a entendu les tonnerres. Oui, papa. Voilà pourquoi on a fouillé. Où est mon fils? Où est le prince? Mais toi, tu étais censé prendre soin de lui. Il est dehors, ma reine. Tu es stupide. Tu es un idiot. Si quelque chose arrive à mon fils, tu verras ce que je te ferai. Qu'est-ce qui se passe? Je peux marcher. Maman, je suis guéri. Comment cela est-il arrivé, fils? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux marcher, maman. Maman, je peux marcher. Maman. Maman, je peux marcher. Je peux marcher, maman, je peux marcher. Ceci est certainement un miracle, mes filles. Ceci fait l'objet de la célébration. Affamez, vous n'avez pas marché. Ils disent que ce n'est pas Iroma. Iroma.
Et Roma, tu vas bien? Ne te dérange pas, je te transporte. Obiozo. Na idi keme. Obiozo. Na idi keme. Eze, qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur? Je ne sais pas où. Hey! Eze, je dis qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Que veux dire tu ne sais pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai trouvé couché à côté d'un arbre, alors je l'ai amené ici. Iroma. Hey! Iroma. Ma fille. Obiozo, s'il te plaît, emmène-la à l'intérieur. S'il vous plaît, pardon, pardon, pardon. Amène-la à l'intérieur, hein. Oui, doucement, doucement. Doucement, okay. Doucement, hein. Doucement. Mon fils, merci beaucoup, hein. Merci d'avoir amené ma fille à la maison. Merci, s'il te plaît, merci beaucoup. Oui, maman. Merci pour tout, hein. Écoutez ce message spécial du roi! Notre roi veut que tous les villages sachent que son fils, le prince, qui avait connu un accident très grave, qu'il avait gardé sur une chaise roulante, est guéri. Alors il invite tout le monde demain matin pour qu'il vienne célébrer avec lui. Écoutez ce message spécial du roi! Notre roi veut que tous les villages sachent que son fils, le prince, qui avait connu un accident très grave, qu'il avait gardé sur une chaise roulante, est guéri. Alors il invite tout le monde demain matin pour venir célébrer avec lui dans son palais. Elle a toujours de la fièvre. Je ne sais pas ce qui retient Obios encore là-bas. Hein? Qu'est-ce qui le retient encore là-bas? Hey! Néné, s'il te plaît, apporte-lui à manger. Elle doit manger quelque chose avant que Obios en arrive avec les médicaments. Hein? C'est vrai? Hum. Ok. Laisse-moi le prendre sa nourriture. Néné? Attends-moi ici, oh. Je vais prendre ta nourriture. T'inquiète, ça ira, hein? Ça ira bien, ma chérie. Attends, je t'emmène la nourriture. Hey! Ma fille, tu as fait une bonne chose en allant sur la montagne. Et rien de mal ne t'arrivera. Rien du tout. Est-ce que tu m'entends? Hmm? Qu'est-ce qui t'a pris de temps? Papa, le docteur a dit qu'elle doit bien manger avant de prendre le médicament. Ta mère va apporter à manger. Ah, ok, Obiozo, tu es de retour? Oui. D'accord, ça va bien. Alors, mets-toi bien. Tu vas manger ta nourriture. Comme ça, après avoir mangé, tu vas prendre tes médicaments. As-tu entendu? Mets-toi. Oui, qu'elle s'assoie. Sois fort, ma chérie. Mon fils. Maman. Donne-lui la nourriture. D'accord. Ma chérie. Oh, sois fort, hein. Donne-lui la nourriture, non? Ouvre ta bouche et mange. Hein? Vas-y, mange même un peu. Tout ira bien, ma chérie. Mon Dieu. Hey, mon Dieu. Hey.
Elle a terminé ça. Donne-lui une autre bouchée. Mange, non. Mange. Mais tu vas bien prendre des médicaments, s'il te plaît. Sois forte. Vas-y. Obioso, donne-lui la nourriture. Come on!
Organiser ce moment spécial pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour sa bienveillance divine, pour sa bonté et sa miséricorde, pour avoir guéri le prince de ce royaume. J'aimerais aussi vous remercier tous, aussi individuellement que collectivement, pour avoir trouvé le temps de venir célébrer, vous réjouir avec nous. Ceci est une occasion de réjouissance. Mangez, buvez et réjouissez-vous. Car c'est le jour de reconnaissance à Dieu. Vous êtes le monde! Vous êtes le monde! Je vous salue, Naï Edjukeme. Ah, Nduka, bienvenue. Merci, Naï. Le roi m'a envoyé de savoir pourquoi vous n'envoyez plus le vin de palme comme d'habitude. S'il te plaît, dis au roi de me pardonner. Je n'ai pas pu faire du vin pendant tout ce temps parce que ma fille est malade. Mais demain, sans aucun doute, je vais faire du vin pour lui. Ok, Naï. Je vais lui dire ce que vous m'avez dit. Merci d'avance. Je dois partir maintenant. Merci. Salut-les de ma part. Je le ferai, Naï. Merci. Hey! Obiozo! Obiozo! Papa! S'il te plaît, va chez Mboye et achète-moi du tabac à priser de 200 naira. Rapporte-moi mes 300 naira qui vont rester. M'as-tu entendu, Obiozo? Papa, la maison de Mbouri est loin, oh. Je n'ai pas assez d'énergie pour y aller. À moins que tu me donnes le reliquat des 300, je n'irai pas. Vas-tu aller où je t'envoie avant que je ne te brise la tête? Laisse-moi aller, ma vie.
Entrez, la porte est ouverte. Fils. Maman, mes 6 packs sont disparus. Mince. Je sais. C'est parce que tu as fait 4 ans sans pour autant marcher avec tes pieds. Oui, je sais. À cause de ma condition précédente. Bien, fils. Maintenant que tu as tes 2 pieds sur terre, je pense qu'il est temps pour toi de chercher une femme civilisée qui va conduire ce royaume. Ah, maman, qu'en est-il de Hiroma? Oublie Hiroma. Elle n'est pas de ton genre. On l'a choisie juste parce qu'on n'avait pas de choix. Ah, mais maman, je lui ai proposé un autre mariage et proche. Ce n'est rien. J'ai vu des hommes qui ont payé leur dot et qui ont réalisé leur mariage. Et après leur nuit de noces, ils brisent tout pour se chercher un ou une meilleure compagnon. Fils, toi, tu ne feras pas l'exception. Ok, pense à ça. Je sais que ton prince, tu ne peux jamais sortir avec une fille qui est de basse classe comme Hiroma. Nous pouvons bien t'aider à réaliser ton rêve. Juste si tu arrives à l'oublier. Il y a un millier de filles qui sont bien éduquées, qui ont bien étudié, attendant un homme beau et un prince comme toi. Fils, n'oublie pas que le mariage est un voyage d'aller sans retour. Et je suis sûre que tu n'as jamais rêvé d'avoir un mariage avec une fille de basse classe. Je pense que tu as raison. Je sais. Je suis ta mère et je sais ce qui est bien pour toi. Comme je l'ai dit, fils, prends le temps de penser à ça. Oh oui, on est maïe chikabu. Oh oui, on est maïsi kakweze. Echi, echi dime. Owe, onema, inyoga muta. Bonsoir, maman. Bonsoir, Obiezoma. Bienvenue. Merci. Mon père m'a envoyé acheter du tabac prisé pour 200. Chibike, viens. Va prendre du tabac de 200 000 naira et tu me ramènes les 300 naira de change. Salam Bango. Obiozo. Maman. Bon niveau Tanayo. Ils vont bientôt me préparer de la sauce. Oui, je vais préparer une soupe. Une soupe. Je mangerai aussi. Ok. Madame, je m'en vais maintenant. Ok, ok. Au revoir, maman. Salut tout le monde, hein. Pas de problème. Particulièrement ton père, hein. D'accord, madame, je ne m'inquiète pas. Salut. Bye, bye. Merci, maman. Mes salutations. D'accord, madame. Au revoir, maman. Ok. Votre Majesté. L'as-tu vu à la maison? Oui, Votre Majesté. Il a demandé que vous puissiez lui pardonner. Il a dit que depuis que sa fille est tombée malade, il n'arrive plus à produire de vin. Il remet malade? Oui, Votre Majesté. Quoi? Mais il a promis de vous envoyer du vin demain matin. D'accord, tu peux partir. Votre Majesté. Edikeme. Votre Majesté. Le garde que j'ai envoyé dans ta maison hier m'a dit que ta fille est malade. Oui, Votre Majesté. Elle est tombée après avoir monté sur la montagne pour prier pour le prince. Donc, Hiroma est allé à la montagne pour prier pour le prince? Oui, Votre Majesté.
Oh, elle ne viendra pas à l'heure aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ira à la montagne pour prier. Je fais partie de ceux qui, normalement, ne croient pas au miracle. Mais ce qui s'est passé le jour-là m'a fait croire. C'est arrivé quand tout espoir était perdu. Ce qui veut dire que c'est la prière de Iroma qui a guéri mon fils. Sans aucun doute, Votre Majesté. Elle est où maintenant? Elle est à la maison. Oumé, va m'apporter l'argent que j'ai mis dans le tiroir. Je viendrai la voir demain. Vous viendrez dans ma maison? Mais Votre Majesté, ce n'est pas nécessaire. Vous voulez juste venir voir ma fille malade? Édiqué, mais ça c'est ma décision. D'ailleurs, Iroma va devenir la femme de mon fils. Donne-le-lui. Édiqueme, prends ses 50 000 pour les meilleurs soins médicaux qu'il lui faut. Merci, Votre Majesté. Merci beaucoup. Prends bien soin d'elle. Merci beaucoup. Je m'en vais maintenant. Et tu me la salues. Merci, Votre Majesté. C'est bon. Oumé, prends soin de ce bidon de vin de palme. Mirabel m'appelle avec un numéro du Nigeria. Ce qui veut dire, elle est déjà de retour. Je vais le découvrir. Allô, Mirabel? Coucou ma chérie, c'est moi, me revoilà! Oh wow! C'est bien, tu es rentrée quand? Hein, je suis rentrée il y a quelques jours. Où es-tu? J'ai besoin de te voir. Je suis maintenant chez nous à la maison. Au royaume du Rosé. Le royaume du Rosé? Et c'est où cet endroit? Ça sent tellement étrange. Ah oui, c'est parce qu'il y a longtemps que tu as été ici. Mais t'inquiète, je pourrai toujours l'envoyer la description, comme ça tu pourras venir. Ok, c'est gentil. Alors, on se reverra bientôt. Bye. Bye. Mirabel, elle aime bien voyager. Ah, Mirabel. Elle aime bien voyager, cette fille. Elle est de retour. C'est bien, alors. J'ai appris de ta nouvelle. C'est pourquoi je suis venue te voir. Je me sens bien maintenant. Oh, gloire à Dieu. Ah. J'aurais appris que c'est ta prière qui a guéri le prince. C'est vrai, ça? Somme, cette question n'a pas d'importance. Le plus important en ce moment-ci est que le prince aille bien. Comment va ta mère? Elle va bien, oh. Elle envoie ses salutations. Aïe, ne t'en fais pas, je passerai la saluer une fois. Ça sera une bonne chose. Je vais te faire des pas. Prends le temps de te reposer. Juste rétablis-toi, hein. Je m'en vais. Prends bien soin de toi. Merci. C'est le rôle.
Majesté. Votre Majesté. Vous êtes les bienvenus. Votre Majesté. Bienvenue. Hey. Votre Majesté. Édikeme. Soyez les bienvenus. Votre Majesté. Iroma. Comment tu te portes? Je vais mieux à présent, Majesté. Ah, je vois ça. Sois patiente, d'accord? C'est peu à peu. Iroma, je suis venu juste pour te voir. J'étais fou de joie lorsque j'ai appris que c'était ta prière qui a guéri mon fils. Alors, je suis là pour te remercier. Merci avec ces cadeaux. Acceptez-les-moi et gérez-les. Votre Majesté! Vraiment, Votre Majesté, vous ne devriez pas me remercier. C'est Dieu Tout-Puissant qui a guéri le prince. Je le sais, ma fille. Mais l'ouvrier a droit à son salaire. Iroma, cette enveloppe est pour toi. Prends-la. Elle contient une somme de 100 000 naira. Oh! C'est pour ton entretien. Si tu as besoin de quelque chose à tout moment, n'hésite pas à m'informer. Hey, merci, mon roi. Merci. Votre Majesté. Ça merci. Va. Nous ne vous remercierons jamais merci, assez. Votre ça Majesté. Comment pouvons-nous vous remercier, merci. Votre Majesté? Votre Majesté, oui. Que je vous accorde la sagesse pour bien gouverner. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Que Dieu rende votre règne prospère et riche. Amen. Merci, Votre Amen. Majesté. Amen. Ouais. Hey.